Alléluia. Glory to God. Est-ce qu'on peut également acclamer le Seigneur pour Catherine qui va faire la traduction? Let's thank the Lord for Catherine. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God. Vous savez, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien ce matin. You know, the Lord really spoke to us this morning. Et ma prière, c'est qu'il fasse encore davantage cet après-midi, là maintenant. Amen. And my prayer is that he would do even more among us this afternoon. Il suffit que les cœurs soient disposés. All it takes is a heart that is available. Et je sais qu'ici, nous avons des cœurs disposés. And I know that in this room we have hearts that are open to him. Amen. Are there some open hearts in this place? Yes. Okay, on a la bonne adresse. Gloire okay, we're at the right address. Prions. Let's pray. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège d'annoncer ta parole encore ce matin. Lord, thank you for the grace and the privilege of announcing your word, preaching your word today. Seigneur, c'est toujours avec crainte et tremblement que je viens à cette chair. It is always with fear and trembling that I take my place at this pulpit. Car je sais que c'est une grande grâce. Because I know it is an immense grace that you give us. C'est également une grande responsabilité. But it's also a great responsibility. Alors Seigneur, écarte la chair encore ce matin. So Lord, I ask you simply to remove anything that is of the flesh. Et prends toute ta place. And take all the room. Car c'est ta parole qui nous vivifie. Because it is your word that strengthens us. Et nous avons besoin d'être vivifiés encore. And we need to be strengthened in your word today. Seigneur, merci pour ton esprit. Thank you for your Holy Spirit. Qui encourage encore ce matin. Who is encouraging us this morning. Qui édifie. Is edifying us. Qui challenge. Challenging us. Qui transforme nos vies. And who's changing our lives. Mais qui nous rappelle encore notre espérance. And reminding us of our hope in you. En toi. Alors que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified, Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, Amen. We pray. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien? Everybody doing well? Amen. Ma prière vraiment pour cette année 2019, frères et sœurs. Brothers and sisters, my prayer for this new year 2019. C'est vraiment que les plans de Dieu s'accomplissent pour votre vie. Is that the plans of God would be accomplished in your lives? Pas nos plans, frères et sœurs. Not our own plans. No. That's not it at all. Ses plans. His plans for your life. Pour notre vie. Amen. For our lives. Amen. Parce que des fois on pense que nos plans sont les meilleurs. Because sometimes we think our own plans are even better than his. Mais en fait, Dieu lui il connaît la plénitude de toutes choses. But God knows the fullness of everything. Et il sait ce qui est bon pour chacun de nous. And he knows exactly what is good and what is right for each of you. Alors notre prière, ça doit être Père, que ta volonté soit faite. So our prayer every day should be, Lord, let your will be done. Amen. Amen. Vous savez, cette année, d'une manière particulière, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont décidé de lui faire confiance. This year, more than ever, the Lord is looking for men and women who are ready, who are decided to trust in him. Aujourd'hui, c'est vraiment critique de comprendre la puissance et la force qu'il y a dans une relation forte avec Dieu. It is important, it is critical for us to understand today how necessary it is for us to have a deep, intimate relationship with God. Et on va voir tout à l'heure la relation qu'il y a entre cela et la foi. And in a few minutes, we're going to see how our relationship with God affects the level of our faith. La relation qu'il y a entre tout cela, mais également les temps de qualité avec Dieu et Dieu lui-même. And we're going to see how important it is to have quality time with the Lord. Et Dieu cherche véritablement des personnes à qui il peut faire confiance. Amen. My friends, God is looking for men and women who he can trust. Mais des personnes qui décident également de lui faire confiance. And men and women who are willing to trust him. Mais ce que je disais ce matin, frères et sœurs, il ne s'agit pas de légalisme. You know, we're not talking about legalism today. Il ne s'agit pas de faire parce qu'on sait qu'on doit faire. We are not talking about just doing because for the sake of doing something. Il ne s'agit pas de faire parce qu'on pense que c'est bien. We are not talking about doing things because we think there are good things to do. On va parler des choses qui viennent du cœur. Today we're going to talk about things that come from the heart. D'une relation de cœur à cœur. We're going to talk about a heart-to-heart relationship with the Lord. Parce que Dieu, c'est une question de cœur. Because everything about God has to do with the heart. C'est pas une question d'intellect. It's not a question of intelligence. C'est pas une question de connaissance. Or knowledge. C'est pas une question d'expérience. It's not a question of experience. C'est une question de cœur. It's a question of the heart. Si le cœur est entier, if the heart is fully his, Dieu peut faire de grandes choses. God can do amazing things. Amen.
Amen. Et c'est ainsi qu'on peut, on peut avoir deux personnes qui vont commettre le même péché. That's why you might have two different people who commit the same sin. Mais la réaction de Dieu ne sera pas la même. But God's reaction is not the same. Et pourtant Dieu est juste. Because he, however, God is fair. Parce que la réaction de Dieu, frères et sœurs, sera proportionnée à l'état du cœur. His reaction will depend on the state of each one of their hearts. À ce qu'il y a réellement dans le cœur. He sees what's going on in the heart. Et on se souvient quand le pasteur Robert avait prêché entre Zacharie et puis Marie. We remember the recent message that Pastor Robert preached about the difference in attitude between Zachary and Mary. Deux réactions pratiquement identiques. Two different reactions in face of the same experience. Mais une intervention divine différente. The intervention from God was just about the same, but the attitude was different. À cause du cœur. Why? The attitude of the heart determined everything. Et on va voir maintenant l'importance, frères et sœurs, de la promesse. Today we're going to look at the importance of the promises of God. Et comment nous devons réagir face à la promesse de Dieu. And how God expects us to react when we receive his promises. Et quand j'avais commencé à prier il y a quelques jours pour le message d'aujourd'hui, I started praying about this message a few days ago. Dieu m'avait donné un texte et quand je l'ai lu, j'ai dit OK, mais je me suis dit, j'avais la conviction dans mon cœur qu'il y avait un code caché derrière. And God gave me a particular passage. And as I was reading it, I became convinced that there was a secret code to be revealed in this passage. Qu'il y avait une révélation derrière. A very specific revelation that God wants to give us. Parce que frères et sœurs, nous devons apprendre à demander au Seigneur de nous révéler sa parole. When we open the word of God, brothers and sisters, we should ask God to reveal himself through his word. Parce que c'est la parole révélée, la parole rhéma qui nous transforme. The thing that changes our lives is the rhéma word from heaven, the word that is revealed. Tant qu'on n'est pas rhéma, tant qu'on n'est pas révélé, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. When we don't receive a rhéma word from God, not a whole lot of things happen. Mais quand Dieu commence à vous révéler sa parole, là, les choses commencent à changer. However, when God reveals his word to you, that's when things start to happen. Amen. Amen. Et le texte qu'on va lire, c'est un texte qui est dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 4. So we're going to read this passage together. It is found in John chapter 4. Et c'est les versets 43 à 54. We'll be reading from verse 43 to verse 54. Je lis en français, comment on fait? En anglais, et puis les Français vont suivre. Vas-y. Okay. So, if you have a French Bible, read along with us as we read it out loud in English. John 4, 43 to 54. After the 2 days, he departed for Galilee, for Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his own hometown. So when he came to Galilee, the Galileans welcomed him, having seen all that he had done in Jerusalem at the feast of Passover. For they too had gone to the feast. So he came again to Cana in Galilee, where he had made water into wine. And at Capernaum there was an official whose son was ill. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went with him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. So Jesus said to him, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. So he asked them the time of day when he began to get better. And they said to him, "Yesterday at the 7th hour, the fever left him." The father knew that that was the very hour that Jesus had said to him, "Your son will live." And he himself believed, and all his household. This was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Nous prions pour que ta parole, Seigneur, nous soit révélée. We pray that you would reveal it to us. Qu'elle nous transforme encore. And that this word would change our lives. Qu'elle nous challenge, qu'elle nous révèle ton cœur. That it would reveal your heart and challenge us. Et que ton nom soit glorifié. And that your name would be glorified. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici un officier royal, un homme important. Brothers and sisters, here we see a royal official, a very important man. Donc son chef c'était Hérode Antipas, le gars qui régnait dans le coin. His boss was the emperor Herod Antipas.
C'était le fils de un des fils de Hérode le Grand. He was actually one of the sons of Herod the Great. Et cet homme important avait son fils qui était gravement malade, près de mourir. So this important official has a son who is very, very sick and ready to die. Et cet homme qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, il a su que Jésus était à Cana. Lui, il était à Capernaum. Now this son is not a believer. He's a pagan. He doesn't know God. And yet, he heard that Jesus was coming. Et il se dit, il faut que j'aille voir Jésus à Cana. Il faut que je prenne Jésus et que je le fasse descendre. So he said to himself, if Jesus is going to be in Cana, I need to get up there to Cana and bring Jesus back to Capernaum with me to heal my son. Donc il s'est fait un plan dans sa tête. So he created in his mind a plan to get Jesus to do something. Alors parce qu'il était officier, il pensait que c'était simple de prendre Jésus et de l'embarquer dans ses valises jusqu'à Capernaum. He considered himself important. He was, after all, an official. So he thought to himself, I'm just going to make Jesus come with me and heal my son. Peut-être pensait-il impressionner Jésus. Perhaps he thought he could impress Jesus. Il arrive, il voit Jésus. Donc, il monte à Cana. So, from Capernaum, he goes up to Cana, and he sees Jesus there. Parce qu'il faut comprendre que quand on quitte Capernaum pour aller à Cana, on fait à peu près 25 kilomètres, un petit peu plus. If you know the geography in Israel, you know that Capernaum is about 25 kilometers from Cana, and you have to go upwards to Cana. Parce que dans ce sens, on va vers Jérusalem, donc on monte vers Cana. Because every time you go towards Jerusalem, you go up, you head upwards. C'est pour ça que lui, quand il arrive à Cana, il dit à Jésus, descends à Capernaum. So in his mind, he's going to make Jesus leave Cana and come down to Capernaum. Vous allez comprendre le mystère qu'il y a là-dedans. And you're going to understand something about this specifics. Donc, il arrive à Cana. So here he is, he arrives in Cana. Et il expose son problème à Jésus, dit, Jésus, viens, prie pour mon fils parce qu'il va mourir. And he unveils his problem to Jesus, asking him, Jesus, come and heal my son back down in Capernaum. Capernaum, that's how you say it in English. Et Jésus a une réaction qui le refroidit, mais grave. Oui. And Jesus saw that reaction and was taken aback. Donc si je ne fais pas des miracles, si je ne fais pas des prodiges, vous n'allez pas croire. And he says to this man, if I don't do signs and wonders, you won't even believe in me. Bon, je pense qu'il s'est senti visé, le gars. Il s'est senti visé. And so this official begins to feel targeted by Jesus. Mais il est resté près de Jésus. But nevertheless, he stayed close to Jesus. Mais plutôt que de descendre à Capernaum, Jésus fait autre chose. However, Jesus, instead of descending down to Capernaum, he had another plan in mind. Jésus lui donne une promesse. God gives this man a promise. Jesus gives him a promise. Va, ton fils vit. He says to him, go and your son will be healed. On pourrait dire, Jésus lui a donné qu'une promesse. You could say that Jesus gave him only one single promise. Mais en fin de compte, avec cette promesse, frères et sœurs, Jésus lui a tout donné. But in fact, with one single promise, Jesus gave him everything. Il n'avait pas besoin d'avoir Jésus à côté de lui. Le fait d'avoir la promesse, il avait tout reçu. In other words, he didn't need for Jesus to go with him back to Capernaum. He, in that promise that he was given, he received everything. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, la Bible nous dit, malgré qu'il n'était pas un chrétien, il a cru dans la parole. What is amazing is this man wasn't even a Christian, and yet the Bible tells us that he believed the word of Jesus. Il l'a cru et il est reparti. He believed the word and he went back to his hometown. Il a dépassé ses frustrations. He overcame his frustrations. Il a dépassé sa déception. He overcame his disappointments. Il a dépassé même les plans que lui il avait prévu de partir avec Jésus. Il a mis ça de côté, c'est pas grave. He even rejected his original plan, which was to bring Jesus back home with him. Toutes les choses qui pouvaient nuire et mettre des mauvaises choses, des mauvaises semences dans son cœur. Everything that could have robbed him of the power of that promise, he rejected. Il a su mettre ça de côté pour saisir la promesse. He set those things aside. Why? Because he seized the promise. Il a mis tout son cœur et toute sa foi dans cette promesse de Jésus. Il s'est connecté à cette promesse. He placed all of his heart and all of his trust in that promise that Jesus had given him. Et parce qu'il s'est connecté à cette promesse, la différence était là.
And that is what makes the difference. He was connected to the promise. Parce que la promesse est puissante. The promise from Jesus is something powerful. Parce que la promesse, elle est faite par Dieu. The promise is given by God himself. La promesse, elle est pas faite par un homme, elle est faite par Dieu. The promise was not made by a human being, but by God himself through Jesus. La parole, elle a été donnée par Dieu. The word was given by God. Il a cru la promesse. And that man believed the promise. Il a compris qu'avec la promesse, il avait tout. He understood that with that one promise, he had everything. Et il se passe quelque chose, il a dû se passer quelque chose dans sa tête, frères et sœurs, quand il rentrait, parce qu'il fallait refaire toute la distance entre Cana et Capernaum. Now, certainly, something was going on in his head as he walked that whole distance, 25 kilometers back, to Capernaum. Il a dû se poser plein de questions, frères et sœurs, parce que bien que Jésus lui ait dit, va, ton fils vit, il ne savait pas que le miracle avait eu lieu. I'm sure he was asking himself plenty of questions, even though Jesus had told him, go, your son will be healed. Il n'avait pas là-bas à l'époque le smartphone pour qu'on lui dise, hey, officier royal, ton fils est guéri. You know, in those days, they didn't have cell phones so that his servants could call him up and say, hey, listen, your son has been healed. Pas de réseaux sociaux. There was no social networking at the time. Donc, en fin de compte, le miracle s'était passé, il n'était pas au courant. So, even though the miracle had already taken place, the officer didn't know about it. Donc on a quelqu'un qui a été exaucé, qui ne le sait pas. This is a man whose prayer has been answered and he doesn't even know it yet. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que ce que Dieu me révélait quand je lui demandais de faire parler cette parole. I asked God to speak to me through this passage and what he revealed to me is extraordinary. Parce que j'ai dit au Seigneur, quand il m'a donné ce passage, s'il faut juste dire que le gars, il a cru, son fils a été guéri, non, il y a autre chose derrière. Because I was not just happy to preach a message that the man believed God and his son was healed. There was more to it than that. Et ce que le Saint-Esprit me révélait, c'est, frères et sœurs, que cet officier royal, c'est un type d'intercesseur. C'est un type de nous-mêmes. What the Holy Spirit revealed to me is that this officer is representative of an intercessor. You and I, intercessors before God. Quelqu'un qui est dans la vallée à Capernaum. Someone who can find themselves in the valley like Capernaum. Et qui décide de monter là où se trouve le Seigneur. Who makes the decision to go up to find Jesus. Là en l'occurrence c'était à Cana. In this case, in the city of Cana. Là où s'était déjà déroulé le premier miracle de Jésus. The city where Jesus did his very first miracle. Et voilà que nous-mêmes, dans la vallée, on a des défis, on a des challenges, on a des combats. On monte rencontrer le Seigneur. So in the same way, when we find ourselves in a valley, we have all kinds of challenges and spiritual warfare. We need to choose to go up to find Jesus. Et exactement comme cet officier royal, on arrive toujours devant le Seigneur avec nos plans. And exactly like this officer, we come to the Lord with our own plans as well, don't on we? On dit au Seigneur que ta volonté soit faite, mais quelque part j'ai quand même mon petit plan là, Seigneur. It's like saying, Lord, let your will be done, but I have an idea, I have a good plan that you ought to follow. Donc à l'ennemi, si tu le faisais un peu comme ça, ce serait vraiment cool, Seigneur. Don't we do that? We say, if you can do it like my way, Lord, that would be really cool. Mais quand on arrive, on est complètement bousculé par sa présence. But when we see Jesus, we're totally overcome by his presence. Parce que Dieu casse tous nos plans. Because God breaks those plans and they go out the window. Et là, alors qu'on s'attend à des choses extraordinaires. And we begin, that's when we begin to see extraordinary things happen. Dieu nous donne une promesse. God gives us a promise. Dieu nous donne une parole. God gives us a word. Et on a tendance à dire, mais Seigneur, c'est tout. Sometimes we want to say, just one little word, is that all I get from you? Frères et sœurs, c'est énorme. But one word from God is enormous. Parce que toute la réponse de Dieu se trouve dans cette parole, dans cette promesse. Because the entire answer to your prayer is found in that one promise. Tout est dans cette promesse. Everything is found in that one promise. Tout est dans la parole que Dieu nous a faite. Everything is found in the living word that God speaks to your crois heart. Crois dans la parole, Honoré, te dit le Seigneur. Crois dans la parole. Believe crois dans la promesse. In the word, Honoré. Believe in the promise that you've received from God. Receive it. Et cette promesse, elle contient toute la puissance de Dieu. One single promise from God contains all of the power of God. Parce qu'elle n'a pas été donnée par un homme, elle a été donnée par Dieu lui-même. The word didn't come forth from a man, but from God himself. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent.
Donc cette parole, cette promesse de Dieu, parce qu'elle sort de Dieu, frères et sœurs, elle est vivante. Because the promise came out of the mouth of the Lord, it is a living word. Elle est vivante, it is living, elle a la puissance powerful, de s'accomplir. And will bear fruit. Elle a la puissance de transformer nos circonstances. The promise of God has the power to change our circumstances. Elle a la puissance de nous donner le miracle de Dieu. It has the promise to release the miracles of God. Mais il y a une condition, frères et sœurs. But there is a condition, brothers and sisters. L'officier royal a cru. This officer believed. Il a mis tout son cœur dans cette promesse. He put his whole heart in that one promise he received. Il a saisi cette promesse. Il s'est connecté à cette promesse. He seized that promise. He appropriated that Il promise. Il a accepté de ne pas tomber dans la frustration malgré ses plans, malgré ses attentes, malgré ses désirs. He didn't allow any frustration or disappointment because his plan wasn't followed to affect the situation. Et c'est ça que Dieu attend de notre part. That's what God is expecting from you and I. Parce you que and la, me. De la même que la même manière que l'officier royal a quitté Cana pour retourner à Capernaum. In the same way that the official left Cana and went back down to Capernaum. Et n'oubliez pas que quand on quitte Cana pour aller à Capernaum, on descend à Capernaum. And don't forget, geographically, when you leave Cana to go to Capernaum, you're going downwards into the valley. Donc on descend, c'est ça même, dans la vallée. Donc là où il y a le combat, là où il y a la bataille. The valley is where you have the challenges and the spiritual warfare. Et c'est là où on a besoin de croire en la promesse. And that is exactly where you need to believe the promise of God. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a reçu la promesse. Mais n'oubliez pas, il ne savait pas ce qui se passait quand il fallait refaire le trajet retour. Now what's amazing is he did receive the promise, but he did not know what was going on the entire time he was walking home. Mais la promesse était là. The promise was there in his heart. Et nous, Dieu, quand il nous donne la promesse, frères et sœurs, brothers and sisters, when God gives us a promise, notre challenge, c'est le temps qui va s'écouler maintenant jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. The challenge dans le naturel is what happens between the time you receive the promise and the time you see its fulfillment. Mes frères et sœurs, il y a un mensonge dont on va tordre le cou. Maintenant, au nom de Jésus. There is a lie that some of us believe, and we want to break the power of that lie today in Jesus' name. C'est que quand l'officier royal et comme il descendait, quand il commence à arriver vers Capernaum dans sa maison. When the official began to get closer to his home in Capernaum. C'est en fin de compte, ses serviteurs ont couru vers lui pour lui expliquer qu'en fin de compte, son fils était guéri. The servants came running out of the house to tell him, "Your son has been healed." Et ce qui est merveilleux, c'est que cet homme a été interpellé. Il a voulu savoir à quel moment la guérison a eu lieu. And this really spoke to him. He said, "Well, tell me, what time did my son start to get healed?" Et à ce moment-là, les serviteurs lui disent vers la septième heure. And the servants responded about at the seventh hour. C'est-à-dire 13 heures. Ça fait 13 heures. Around 1 o'clock in the afternoon. Et là, il se souvient mais que c'est juste le moment où Jésus lui a dit, "Va, ton fils vit." All of a sudden, the officer remembered that's the very time that Jesus spoke to him, his promise. C'était exactement à ce moment-là. The very time Jesus spoke. Frères et sœurs, le mystère qu'il y a là-dedans est que quand Dieu donne la promesse. And here's the mystery that God wants to reveal. When he gives you the promise. Dès lors qu'on met notre foi, notre cœur, on se connecte à cette promesse as divine. As soon as your heart attaches itself to that divine promise. Dans les lieux célestes. In heavenly places, la chose est réglée. It's already fulfilled. La chose est réglée. It's already la accomplished. Chose est réglée. It's already fulfilled. La chose est réglée, frères et sœurs. It's already accomplished. Notre combat maintenant, c'est de voir la manifestation dans le naturel de ce qui est déjà accompli dans le céleste. So our spiritual warfare is to see the realization of that which has already happened in heaven manifested on earth. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'il y a 25 km entre Cana et Capernaum que la promesse n'a pas été accomplie. But just because there were 25 miles walking distance between the two cities doesn't mean that the promise wasn't already accomplished. C'est pas parce qu'un temps continue à s'écouler entre le moment où on a reçu la promesse et le moment où on la voit s'accomplir que ça veut dire qu'elle n'est pas accomplie. Just because there's a period of time before the promise is spoken and the promise is fulfilled doesn't mean that it hasn't been accomplished yet. Ne confondons pas les célestes et les terrestres. Let's not confuse what happens in spiritual places and what happens on earth. Notre réalité, frères et sœurs, elle est spirituelle. Because my friends, our reality is a spiritual reality. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. We don't walk by sight, but by faith. Donc pour nous, une chose, elle est faite quand elle est faite dans l'invisible. So the promise is accomplished in the invisible realm already. C'est pas quand on la voit qu'elle est faite. Non. It's not when we see it that the promise is accomplished. No, well before then.
Dans l'invisible, frères et sœurs, c'est là où tout se passe. Everything is happening in the invisible realm. Tout se passe dans l'invisible. Everything takes place in the invisible realm. L'essentiel est dans le monde spirituel. Because the essential things of life are happening in the spiritual world. C'est là où tout se passe. That's where everything happens. C'est là où se passe toute la guerre spirituelle. All of the spiritual warfare takes place in that. C'est là où nous devons remporter la victoire. And that's where we need to win our victory. Et c'est pourquoi, exactement comme l'officier royal, quand Dieu a promis, instantanément, croyons, c'est fait. So in the same way as for this official, the minute God speaks it and your heart believes it, that thing is done. Amen. 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 Thomas avait raté le test de Dieu. You know, the disciple named Thomas, he failed one of the tests the Lord gave. Thomas avait un vrai problème de foi. Thomas had a serious faith problem. Et Jésus savait que Thomas avait un problème de foi. And Jesus knew he had a faith problem. C'est pour ça que la première fois qu'il s'est révélé après la résurrection à ses apôtres, il l'a fait quand Thomas n'était pas là. That is why when Jesus revealed himself for the first time after his resurrection, he did it when Thomas wasn't in the room. Croyez-vous que c'est le fruit du hasard? Do you think that was only by chance? Le Seigneur ne fait rien au hasard. No, the Lord doesn't do anything by chance, does he? Le Seigneur savait que les autres allaient dire à Thomas, Thomas, on a vu le maître. The Lord did it on purpose so that the others would go and tell Thomas, come and meet the master. Et le Seigneur s'est dit, je vais voir comment va réagir Thomas. And the Lord said to himself, I'm going to see exactly how Thomas will react. Et Thomas a raté le test. But unfortunately, Thomas failed the test. Parce que quand on lui a dit, tu sais, Thomas, on a vu le maître. Because it was before Thomas arrived that they saw the miracle. Thomas a dit, arrêtez là, arrêtez. Thomas said, no, you guys have got to be kidding. Stop fooling around. Si je ne mets pas mon doigt dans ces trous-là, if I don't put my finger in the holes of his hands, et si je mets pas ma main sur le côté, if I don't touch the wound on his side, je croirai rien de ce que m'a I will never believe that Jesus is resurrected. Il a raté le test. He failed the test. 8 jours plus tard, 8 days later, Jésus réapparaît. Jesus appears for the second time. Cette fois-ci, il a attendu que Thomas soit présent. But this time, he waits until Thomas is in the room. Et quand Thomas voit le Seigneur. And on that day, Thomas sees the Lord. Le Seigneur voit Thomas, il dit Thomas, viens. Mets tes doigts là, mets la main sur le côté. Jesus says, come Thomas, touch the holes in my hand and the wound in my side. Crois et ne sois pas incrédule. Don't be an unbeliever, just believe. Thomas, crois et ne sois pas incrédule. Don't be an unbeliever, just believe. Et là Thomas tombe à genoux et écrit, mon Seigneur et mon Dieu. That's where Thomas fell to his knees and cried out, my Lord and my Savior. Et là le Seigneur lui dit une chose. Thomas, tu crois parce que tu as vu. Jesus said this to him, Thomas, you're only believing because you saw me. Mais béni celui qui croit sans avoir vu. But blessed are those who believe without having seen. Emmanuel, béni celui qui croit sans avoir vu. That's the Lord's word for you, Emmanuel. Blessed are those who believe without having seen. Amen. Amen. C'est pour vous faire comprendre que le Seigneur, c'est dans le spirituel que l'essentiel se passe. Understand that the Lord exists in the spiritual realm. That's where everything happens. On croit, frères et sœurs, avant de voir. We believe before we see with our eyes. Voilà pourquoi cet officier est un type de nous-mêmes. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne comme modèle, il faut se connecté à la promesse. That's why this official represents who we are. He's teaching us through this passage that we need to be connected to the promises he gives us. Il faut croire à la promesse. We need to believe the promises of God. Parce qu'au moment où Dieu la donne, elle est accomplie. The very moment that God speaks the promise, it is already accomplished. Il va y avoir tout un combat spirituel, toute une bataille dans nos pensées par rapport aux circonstances qu'on va vivre. Now there may be all kinds of spiritual warfare going on in your mind before you see it accomplished with your eyes. Au moment où on sera dans la vallée. In the times that you find yourself in the valley. Car c'est là où la promesse va être éprouvée. Why? Because each promise we receive is put to the test. Parce que c'est ça, aucune promesse reçue, aucune va échapper au test de l'épreuve. No promise that we receive from God will be without being put to the test. Amen. Mais cela ne change rien au fait que tout est accompli. But that does not change the fact that as soon as it is spoken, the promise is accomplished. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Un autre exemple extraordinaire, celui de Daniel. There are so many examples of this in the Bible. One of them that comes to mind is the example of Daniel.
Daniel avait eu la sagesse de comprendre que la promesse de Jérémie des 70 ans de captivité arrivait à son terme. C'était son heure. At the time, Daniel began to understand that the 70 years prophesied about through Jeremiah were reaching the end of the captivity. Et il fallait implorer le cœur de Dieu pour que le peuple retrouve sa terre. And he began to pray and ask God to bring the people of God back to their land. Et Daniel a eu à cœur de jeûner. And God had Daniel had it on his heart to pray and fast. De porter le deuil dans le jeûne et la prière. Even to go through a season of mourning through prayer and fasting. Mais ce qui est merveilleux, c'est que 21 jours plus tard, lorsque l'ange lui apporte la réponse divine qui venait du ciel. 21 days later, when the archangel came and announced to Daniel the answer to his prayer. En fin de compte, l'ange lui dit, mais tu sais Daniel, c'est pas maintenant que tu es exaucé. Dès que tu as eu à cœur de jeûner, tu avais été exaucé. He explained to Daniel, understand that it's not now that the promise was accomplished, but the first day you started praying and fasting, the prayer was already answered. Ne perds pas courage, Océane, te dit le Seigneur. Ne perds pas courage et ne baisse pas les bras. Don't give up. Don't lose courage, my sister. Et donc, l'ange lui fait comprendre que dès que le cœur a été connecté au ciel, il a reçu sa bénédiction. So in this way, the Lord reveals to us, as soon as our hearts are connected to the promise, it is accomplished. Mes frères et sœurs, après, il y a eu le combat spirituel. After the promise is spoken, it's followed by spiritual warfare. Que on le veuille ou pas, nous sommes impliqués dans un combat spirituel terrible. Whether we like it or not, we will all be involved in spiritual warfare. Et celui qui ne prend pas conscience de ça va l'apprendre à ses dépens. And if anybody doesn't understand this, they will suffer from that. Parce qu'on a un ennemi qui nous fait pas de cadeaux, frères et sœurs. Because we do have an enemy. He's real and he's not very nice to us. Il vient pour voler, égorger, détruire. He came to kill, to steal and to destroy. Carmen, sois vigilante. Carmen, car il rôde comme un lion rugissant autour de toi, cherchant à te dévorer. Like sois vigilante, dit le Seigneur. A roaring lion that's around you. Be very, very vigilant. Le combat spirituel est réel, frères et sœurs. Brothers and sisters, spiritual warfare is very real. Mais ça ne change rien au fait que la promesse de Dieu est accomplie dans les lieux célestes. But that does not change the fact that the promise that was spoken is already accomplished. Ça n'a rien à voir avec l'exaucement. Il est déjà fait dans les lieux célestes. It has nothing to do with the prayer being answered because it was already answered in heavenly places. La promesse est simplement éprouvée, frères et sœurs. The promise is simply being put to the test, brothers and sisters. Et notre positionnement fera la différence. And it is our positioning in this warfare that will make the difference. Parce que si nous oublions que nous avons déjà été exaucé, nous allons être dans la confusion. If for some reason we forget that the promise is already accomplished, we will find ourselves in total confusion. Il faut simplement chercher les stratégies divines pour savoir comment se positionner, comment réagir, mais sans jamais remettre en cause l'exaucement. What we need to do is seek God for divine strategies, how to position yourself and how to be prepared for the spiritual warfare. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Et ensuite, quand Daniel a vu l'exaucement, en fin de compte, l'ange lui a expliqué que le combat était réel au deuxième ciel. So, coming back to Daniel, the archangel explained to him the kind of spiritual warfare that had taken place in the heavenlies. Et en gros, il lui a fait comprendre, tu sais, Daniel, ça tombe pas du ciel comme ça. Daniel, c'est pas si simple ton histoire. In other words, he said, Daniel, you know, your story is not very simple. Car certes, je t'ai dit que tu as été exaucé, Daniel. I'm telling you, your prayer was already answered. Mais sache que pour que ma réponse, la réponse divine, vienne jusqu'à toi, il a fallu que je lutte. But for the answered prayer to be manifested, I needed to do spiritual warfare in the heavenlies. Et c'est parce que tu as tenu ferme dans la foi et la prière que je suis arrivé. And because you chose to pray and fast, I'm here today to announce it to you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ça veut dire que là, la clé, c'est la foi. So, what does this mean, brothers and sisters? The key to seeing the promise fulfilled is your faith. L'officier royal s'est connecté à la promesse par la foi. This official qui a touché le Seigneur. Was connected to the promise he received from Jesus by his faith. Frères et sœurs, ça va peut-être être difficile pour certains, mais ce n'est pas les larmes qui touchent le cœur de Dieu. This might be difficult for some of you to hear, but it's not your tears and your weeping that touch the heart of God. Je ne dis pas que Dieu n'est pas touché. Now, I'm not saying he's not moved. C'est pas ce que je dis.
by suffering. That's not what I'm saying. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas les larmes qui déclenchent la main de Dieu. But it's not your tears that will trigger the hand of God. C'est la foi. It's your faith that will trigger c'est His hand. Foi. It's your faith. Avec ou sans larmes, c'est la foi. Without or with tears, it's the faith that counts in the eyes of the Lord. Amen. Amen. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que si on a du mal à libérer cette foi pour la connecter à la promesse. So in other words, if you have a hard time to release your faith and be connected to the promise, ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de faire grandir cette foi. The idea is to grow your faith, cause it to increase. That is the challenge. Parce que c'est la foi connectée à la promesse qui est la clé de la bénédiction. Because it is the faith, your faith connected to the promise that will release the blessing. La clé de l'exaucement. The key to the answered prayer is your faith. Pas la foi intellectuelle. I'm not talking about intellectual faith. Pas la foi légaliste. I'm not talking about a legalistic faith either. La foi qui vient du cœur. Faith that comes straight out la of your heart. La foi qui vient de l'esprit. Comes from the Spirit of God within you. La foi qui vient du plus profond de nous-mêmes. That is comes from your innermost being. Qui fait que quand Dieu voit le cœur. When God sees that kind of heart. Il se dit ce cœur est connecté à la foi. He sees that that heart is connected in faith. Comme Dieu me dit, un homme de foi, Joseph. Be homme a de foi. Man of faith, Joshua. That's your calling, Joseph. Homme de foi. You're a man of faith, Joseph. Frères et sœurs, donc ça veut dire que il faut arriver à ce que cette foi grandisse. So our goal is to see our faith grow, increase. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que pour parler de Joseph, pour que je puisse faire croire, je puisse faire confiance à Joseph, pour que je puisse croire à ce qu'il me dit. If I take my brother Joseph here for, as an example, if I want to be able to trust what he tells me, il faut véritablement que je le connaisse bien, je le connaisse davantage, intimement, personnellement. I need to get to know him more, to get to know him intimately. Parce que plus je vais le connaître, plus je vais avoir des temps de qualité avec lui. The more I know him, the more I have quality time with him, the more I trust him. Et plus je vais savoir qui il est réellement. I'll get to know who he is really and be able to have confidence in sinon, him. Sinon, on va me parler de Joseph, mais bon, je ne vais pas savoir qui est réellement Joseph. If not, anybody can talk to me about Joseph, but I'll ask myself, well, who is Joseph? What is he really like? Et quand je vais apprendre à le connaître, il y a même des idées fausses que je vais écarter de la personnalité de Joseph que je pensais connaître. And they might say something about Joseph that I will dismiss because I don't believe it. Et ces temps de qualité avec lui va faire naître une relation de confiance. When I choose to spend quality time, I will see a trust relationship birthed in. Cette intimité va créer une confiance de telle sorte que ce qu'il va me dire, je vais aisément le croire. Intimacy with this person will allow trust to grow and it'll be easy to believe what he tells me. Parce que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas croire quelqu'un à qui vous ne faites pas confiance. In reality, you can't trust someone if you don't have confidence in them. Et des fois, on dit faire confiance à Dieu, mais en fin de compte, ce n'est pas si certain que ça. Sometimes you hear it said, just trust God. And then you realize, boy, that's not as easy as you think it is. Parce que si on sonde un peu notre cœur à cause des frustrations, des déceptions, des bénédictions qu'on attendait qui ne sont pas arrivées, un peu d'incrédulité est rentrée dans le cœur. Sometimes what happens is we're expecting a blessing and we are frustrated or disappointed because it doesn't happen right away and it allows unbelief to enter into our hearts. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. This means we need to learn how to trust God. C'est pour ça que Dieu cherche des hommes et des femmes, frères et sœurs, cette année, qui décident de lui faire confiance. That's why God is looking for men and women who are ready to trust him this year. Parce que c'est quand on a commencé à faire confiance à quelqu'un qu'on croit ce qu'il nous dit. It's when you start to trust someone that you believe what they say. Parce que il y a une relation directe entre la confiance. Plus elle augmente, plus la foi augmente aussi. There is a direct link between your trust and your confidence in the person. C'est automatique. They go hand in hand, automatically. Le Seigneur fait tellement les choses naturelles pour qu'on comprenne les choses célestes. God does things in the natural so that we understand spiritual principles. Et Dieu fonctionne de la même manière. On fonctionne comme ça, frères et sœurs. And we act in this way. Et notre difficulté, c'est qu'on a été déçus par des personnes qui nous ont promis des choses qu'ils n'ont pas faites. Here's the difficulty. We have often been disappointed by people who did not accomplish what they promised to us. Et nous-mêmes, il nous est arrivé de faire des promesses que nous n'avons pas tenues. And even we ourselves, we've made promises, right, that we didn't necessarily keep. Donc c'est vrai qu'on est presque inconditionnellement
conditionnés à ne pas voir les gens tenir leurs promesses. So we're unconsciously conditioned to not believe what somebody tells us because of all those disappointments. Et quand on arrive dans les vérités spirituelles, ça se télescope avec cette réalité de nos expériences personnelles. And so when we come into the faith, the spiritual reality, we find that those disappointments hinder us from believing God. Mes frères et sœurs, nos expériences. However, brothers and sisters, our experiences ne changent rien à la vérité spirituelle de la parole. Do not change the truth of God. Ça ne change rien aux principes spirituels. They do not change the spiritual principles. Donc ça veut dire que ce n'est pas par l'intellect mais par notre cœur, il faut que nous apprenions à faire confiance à Dieu. That's why I say it's not through our intellect but through our hearts that we learn to believe. Mes frères et sœurs, tout comme je donnais l'exemple de Joseph, on ne peut pas faire confiance à Dieu si on n'apprend pas à mieux le connaître. We can't trust God if we don't get to know him better. Pour apprendre à savoir qui il est vraiment. To truly understand who is the God that we love and serve. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit depuis tout à l'heure, continue à espérer au-delà de toute espérance. I don't know why, but the Lord has been telling me in your case, believe above and beyond all belief. Continue, ce n'est pas le moment de lâcher. Continue to believe, don't give up. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu dit, ce n'est pas le moment. I don't know what God's doing in your continue. Life. Just continue and don't give up. Donc, frères et sœurs, donc ça veut dire, il faut qu'on apprenne maintenant à avoir des temps de qualité avec Dieu pour mieux connaître Dieu. My friends, what we need to do is learn to have quality time with the Lord so we can trust him. On peut se lever, frères et sœurs. Let's stand up together. Parce que plus on va apprendre à connaître Dieu, the more you learn to know God, plus notre confiance va augmenter. The more you will see your level of trust in him grow. Et plus notre confiance va augmenter, the more your trust grows, plus la foi va augmenter. The more your faith will grow. Mais pour connaître Dieu, voici la clé des clés. Here is the key to better get to know God, better knowing God. La parole de Dieu. The word of God. La parole du the Seigneur. The word of God reveals who he is. Parce que Jean nous enseigne qu'au commencement était la parole. In the beginning was the word. La parole était avec Dieu. The word was with God. La parole était Dieu. The word was God. Tout ce qui a été fait par elle. And everything that was made by this word. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nothing that was made without this word. Dieu est la parole. God himself is the living word. Je disais ce matin que quand Marie se tenait au pied de Jésus et buvait ses paroles. In the same way that Mary sat at the feet of Jesus imbibing of his word. On pourrait se dire mais c'est merveilleux, j'aimerais être à la place de Marie. A lot of us say, oh that would be nice if I could sit at Jesus feet oui, like gloire that. À Dieu, pourquoi pas. Mais on est aujourd'hui en buvant, en mangeant la parole, nous sommes comme Marie. But we can be like Mary as we eat and drink of this word. Parce qu'il est la parole. He is the word. La parole qui a été faite chair par la suite. The word made flesh. Donc ça veut dire que pour passer des temps de qualité, frères et sœurs, so avec Dieu, to have quality time with God, il faut rentrer dans sa parole. The first thing you do is dive il faut plonger notre cœur, the word of God, with all your heart, dans la parole. In the word of God. Amen. Amen. Et voici les éléments manquants qu'il y a entre eux. La foi et la parole. That is the only thing missing between the promise and the accomplishment. La confiance. Trust. Et le temps de qualité. Comes from spending quality time with God. La confiance et le temps de qualité. Trust grows with quality time. Et alors que nous allons passer du temps avec Dieu and dans sa parole. When we have quality time in the word of God, nous serons davantage équipés pour nous connecter à ses promesses. We will be even better equipped to believe his promises. Amen. Amen. Frères et sœurs, il faut une discipline quotidienne. This means, brothers and sisters, we need to have daily discipline. Que cette année 2019, frères et sœurs, soit l'année où nous plongeons nos cœurs dans la parole. Let this new year 2019 be a year where we all dive deeply into the word of God. Fini le grignotage. Just forget about snacking on the word of God. Un petit morceau picking de a little verse here and juste a little verse there, fin, just to fin, have là. A little taste. No. Un petit fast food pour caler la faim. It's not fast food, word of God. Frères et sœurs, si vous mangez tous les jours, if you eat natural food every day, pour avoir la force physique, to have physical strength, et si vous ne mangez pas, vous aurez des carences. You'll realize that when you don't eat, you have a deficiency. De la même manière, quand nous ne mangeons pas la parole, now in the same way, if you don't eat the word of God, nous avons des carences. We will have deficiencies. Des carences spirituelles. Spiritual deficiencies. Alors on se dit, mais non, mais tout va bien. Jésus est toujours sur son trône. Moi, je suis cool. But everybody says, well, everything's going well. Jesus is on the throne. I'm cool. Non, frères et sœurs, parce que quand la crise frappe à la porte. The crisis could be just around the corner. Là, on n'est plus cool.
That and in that case, you won't be cool anymore. You'll take this seriously. Là, ça chauffe grave. You'll see how hot it gets. Et c'est là où on verra véritablement si on a des carences ou pas. And that's where you will find out if you have a deficiency or not. Et n'est-ce pas souvent on remarque quand même qu'on a quelques carences? Sometimes we don't even notice our deficiencies. Mangeons la parole. But to avoid them, eat the word of God. 4 pages par jour et en un an. Listen. 4 pages every single day, you can read the whole Bible in 1 year. Frères et sœurs, lisez deux pages le matin, deux pages le soir. À la fin de l'année, vous aurez lu toute la parole de Dieu. Break it down. If you read 2 pages every morning and 2 pages every evening, at the end of this year, you will have read the entire Bible. Mais avec tout votre cœur. But do it with all your heart. Amen. Amen. Car c'est pas normal que nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissions pas la parole de notre Père. We, especially children of God, need to know the word of our heavenly Father. Mais aujourd'hui, ça va changer au nom de Jésus. That will change today in the name of Jesus. On déclare aujourd'hui que les choses anciennes sont passées. Amen. Because old things have passed away. We declare it. New things have come. On peut lever nos mains. Let's lift our hands before the Lord and pray together. Pray out loud. Lift your voices. Prions par l'esprit. Prions. Pray in the Spirit. Prions, prions. Pray in the Spirit. Bunda bande brete calabasonto lo sen. Prions, prions. Raba raba yende bisonto. Raise your voices. Shanda bande prions, frères et sœurs. Prions par l'esprit. Pray in the Spirit. Dieu veut faire des choses nouvelles. God wants to do new things in your life. Dieu veut faire des choses nouvelles. God wants to do new things. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui. Starting today. Les choses anciennes sont passées. The old things are passed away. Toutes choses deviennent nouvelles. Everything has become new. À partir d'aujourd'hui. Starting today. Dans le nom de in Jésus. In the name of Jesus. Nous sommes des hommes et des femmes de confiance. We are men and women who trust God. Nous apprenons à faire confiance à Dieu. We learn how to trust dans God le nom in all things. De Jésus. In the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui. Starting today. Dans le nom de in Jésus. In the name of Jesus. Nous sommes des hommes et des femmes de la parole. Men and women of the word. À partir d'aujourd'hui. Starting today. Nous connectons nos cœurs à la parole. We will attach our hearts to the word. À partir d'aujourd'hui. Starting today. Nous croyons les promesses de Dieu. We believe the promises of God. À partir d'aujourd'hui. Starting today. Nous passons des temps de qualité. We will spend quality time Seigneur. With our Lord. Car celui qui a promis, frères et sœurs. He who gave his life à for la us. Puissance pour accomplir ses promesses. He who has the power to accomplish his promises. Frères et sœurs, levons nos mains. Prions, levons les mains. Let's raise our hands. Levons nos mains. Levons nos mains. Shanda bandele kira bakorbaraba rondo lo korebe shika bababa sonto. Rete kibababa. Prions, frères et sœurs. Prions afin que Dieu nous touche. Alléluia. Rondolo sente kibaraba raba yo roto korebesika bashanda. Rende shika baraba yo. Recevons la grâce de Dieu ce matin pour être des hommes et des femmes de confiance dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Des hommes et des femmes qui croient. La promesse de Dieu. I see men and women of God who believe in his promises. Des hommes et des femmes qui croient la parole de Dieu. Men and women who sees the word of God. Les choses anciennes sont passées. The old things are passed away. Toutes choses deviennent nouvelles. Everything has become new. Les choses anciennes sont passées. Things of the past are over. Toutes choses deviennent nouvelles. Everything becomes new. Les choses anciennes sont passées, ma sœur. The old things are over. Toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. All things become new. Alléluia. Alléluia. Shanda bande le prete ki da pa koraba raba yende le sika ba shanda bande. Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you for your grace, Lord. Merci pour ta fidélité. Thank you for your faithfulness. Seigneur, je déclare que nous sommes un peuple de la parole. I declare that we are a people of the word. Un peuple de l'intimité. A people of intimacy with God. Un peuple qui croit les promesses a de Dieu. A people who believe the promises of God. Un peuple qui réalise le combat spirituel. A people who are engaged in spiritual warfare. Et qui comprend qu'il y a d'abord les célestes. People who understand what happens in heavenly places. Ensuite les terrestres. And then what is Seigneur, on the earth. Merci pour l'esprit de révélation. Thank you for the spirit of revelation. Dans la connaissance des écritures. In the knowledge of your word. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody said. Amen. Amen. Alléluia. If I can have the prayer teams, les équipiers de prière, s'il vous plaît. Français à votre gauche, anglais, Brother Joseph. To the right. The Lord put on my heart two things. Et le Seigneur a mis deux choses dans mon cœur pour la prière. The Lord showed me that some here you've lost your joy in reading and studying the word of God. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre vous avez perdu votre joie à lire et étudier la parole de Dieu. And Brother Blondet spoke about the discipline. Et le frère Blondet a parlé de la discipline. I'm 100% in agreement with that.
et je suis à 100% en accord avec But cela. I've also found that if you don't find joy, mais c'est aussi vrai que si tu ne trouves pas de joie, then discipline will only last for about a week or 2 weeks. Alors tes bonnes intentions, ça va durer 2 semaines maximum. And so this morning I felt from the Lord, et ce matin, and He is present to restore your joy in the Word. Et ce matin, le Seigneur veut restaurer ta joie dans la parole. Amen. And so, as we close the service today, alors lorsqu'on va terminer, clôturer le service aujourd'hui, if you want to pray with one of the leaders in the church, si tu veux prier avec un des leaders de l'église, for God to restore your joy, pour que Dieu restaure ta joie. Okay. And then, as soon as we begin, as soon as we close, then I'll invite you to come forward. Dès qu'on aura fini, je t'invite à venir devant. The second thing the Lord showed me. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a montré. Blondel spoke about going up to receive the promise. Blondel a parlé de monter pour recevoir la promesse. And that many times we come down in the valley, we're in the middle of a battle. Beaucoup de fois on descend dans la vallée qui est il y a le combat. And I saw many of you are in a battle right now. Et je vois beaucoup d'entre vous sont dans le combat maintenant. And you need to know there are some battles you must fight by yourself. Et il faut savoir que certaines batailles, il faut les combattre soi-même. David had to face Goliath. David devait être face à Goliath et Nobody le battre. Could take his place. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. But that was the last time he fought a giant by himself. Mais c'était la dernière fois qu'il a combattu un géant tout seul. And there are other battles we get into. Et il y a d'autres batailles dans lesquelles on rentre. We just need support from our brothers and sisters. On a besoin d'aide de nos frères et sœurs. And so if today you find yourself in a battle, et si aujourd'hui tu es dans une bataille, then I, as soon as we close, I'll invite you to come forward as well. Et dès qu'on va clôturer, je t'invite à venir sur le devant. And pray with one of the leaders. Et on va prier avec toi. Amen. Avec and of course, if there's any other particular personal need you might have, please come forward and get some prayer. Et si tu as un autre besoin, s'il te plaît, viens vers le devant et prie avec okay, toi. Okay, so lift your hands, let me bless you in the Lord. Et lève les mains vers le Seigneur. Father, I bless your people today. Et mon Père, je bénis ton peuple. And I speak over the word that was sown into the hearts. Et je parle et je prie sur cette parole qui a été semée dans leur cœur. I declare life. Et je déclare la vie. I declare fruitfulness. Et je déclare qu'elle va se multiplier et porter du fruit. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Now let your face shine upon your people. Que ta face brille sur ton peuple. Give them peace. Donne-leur la paix. Give them grace. Donne-leur la grâce. Throughout this week. Par cette semaine. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. And everybody said amen. Et tout le monde dit amen.